On va maintenant s'intéresser aux musées. Les visiteurs devraient pouvoir y retourner à partir du 19 mai. En attendant, ces établissements ne sont pas sans activité. Des événements tentent de maintenir le public à distance, mais en lien. Illustration au musée des Beaux-Arts de Rennes avec Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy. À première vue, le musée des Beaux-Arts de Rennes semble assoupi. Laurent Saint-Bernon, commissaire de l'exposition temporaire en cours, déambule. Le décrochage est prévu le 23 mai, avant le montage d'une autre exposition. Malgré la pandémie, ce calendrier établi de longue date ne peut être modifié, notamment à cause de la fragilité des œuvres. C'est une exposition d'estampes et cela signifie que les œuvres sur papier ne peuvent être exposées à la lumière que durant une période limite, c'est-à-dire 3 mois. Pour garder malgré tout la mémoire de cette exposition qui ne verra probablement pas de public, il a fallu trouver une solution. Nous avons invité Christian Barani, qui est un vidéaste, pour faire un film sur cet accrochage, cette histoire et bien sûr le sujet de l'exposition autour de ce graveur Reiter. Des vidéos pour conserver le lien avec le public. Paul Offelmann-Floic est médiateur. Pour les familles et les jeunes visiteurs notamment, il s'est mis à réaliser des ateliers qui seront diffusés sur le site internet du musée, comme celui-ci, sur le thème des natures mortes. Souvent, on imagine que c'est juste des fruits ou des objets quelconques qui sont associés, mais souvent, ça va être des objets qui sont porteurs de symboles. Ce ne sera jamais aussi bien qu'un travail professionnel, mais ça nous permet déjà, nous aussi, de continuer à travailler sur nos collections et de toujours nourrir nos ateliers. Dans une autre salle, une effervescence inhabituelle. Caméras et notes de musique. L'Orchestre national de Bretagne a investi les lieux pour une collaboration inédite. On sait très bien que les compositeurs, les musiciens, les peintres, les sculpteurs travaillaient dans un monde ensemble depuis des siècles. Et là, on aimerait bien renouer un peu ce partenariat artistique qu'on a depuis des siècles et qu'aujourd'hui est un peu séparé. Privés de scène depuis des mois, les musiciens interprètent devant les caméras de TV Rennes un quatuor de Joseph Haydn. Derrière eux, une huile du XVIIIe siècle signée Charles de la Fosse, le repos de Diane. Il y a un certain silence qui règne, on a l'impression que l'étoile se réveille et nous accompagne dans ce moment de musique. D'étoiles qui n'attendent plus qu'une chose, le retour des yeux émerveillés des visiteurs, d'autant plus émerveillés qu'ils auront été privés de ces richesses pendant de longs mois.